c'est quand c'est dimanche. Ah mais il me l'a mis en marche arrière la blague. Ça change. Il était comme je lui ai dit qu'on allait mettre un moteur électrique, c'était horrifié. Tu m'avais fait toute une histoire. Les débiteurs de barquettes en général, l'association Bout de Mer était propriétaire d'une barquette marseillaise Rio Polo 1913, qui date de 1913, tout en bois, et s'est occupé de la restauration complète du bateau, donc 2500 heures de travail sur la charpente. Et nous, au niveau de la société OZO, nous avons installé la motorisation électrique et les batteries. Donc tout ça a été fait à la fois avec les membres adhérents de l'association, le personnel d'OZO et puis aussi des jeunes de lycée et d'école d'ingénieurs. Et on a donné, on a redonné vie à cette barquette de 1913. Donc avec des performances qui sont au bout d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on navigue à 5 nœuds en croisière et on a 7 heures d'autonomie. Et avec la possibilité de recharger au soleil, avec des panneaux solaires. Bon, allez, on peut sortir.